Les douaniers et opérateurs économiques sont à l'honneur, réunis pour commémorer leur journée. Instituée par l'Organisation mondiale de la douane, la Direction générale de la douane souligne quelques projets en cours de réalisation. Nous sollicitons de mettre l'accent particulier sur la promotion des jeunes en tenant compte des critères de compétences, d'excellence et de probité. À ce sujet, nous mettrons très rapidement une division en charge de l'éthique et des moralités au sein de la direction générale et qui sera déployée sur tout le territoire du Nord. Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics félicite la douane pour les performances, mais convie les douaniers à être exemplaires. L'option qui a été retenue, c'est d'aller vers l'informatisation, d'augmenter substantiellement nos recettes, d'appliquer les mêmes règles à tous les opérateurs économiques et de trouver des conditions toujours davantage favorables aux douaniers à l'exercice de leur activité. Des certificats de mérite ont été décernés aux cadres de la douane et aux partenaires pour le travail abattu. Deux grandes entreprises de la place ont été également distinguées pour une meilleure contribution des recettes douanières. La compagnie Mandargué a tenu en haleine la salle avec un sketch qui traite la modernisation de la douane avec les outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication.